Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le cinquième épisode de mon let's play sur le jeu The Legend of Zelda, Link's Awakening. Et donc je vous avais essayé la dernière fois, on avait fait le donjon bonus, et on se dirigeait lentement vers l'obtention de la nouvelle clé pour le quatrième donjon du coup, vu qu'on a mis le donjon bonus entre le 3 et le 4. Allez, c'est parti. Donc, on était au village des animaux. On était au village des animaux et en fait au dune de Yarna là-bas, et ben il y avait un morse qui nous empêchait de passer et qui demande Marine. Du coup, on va aller se téléporter. Hop, attendez, je remets un petit peu. Hop, le cache pop, le fit anti-pop. On va se téléporter et aller chercher Marine. Ah merde, j'ai oublié d'en... voilà, hop. J'avais juste oublié d'enlever la souris, désolé. Hop. On va prendre... où est mon bracelet? Il est là. Hop. Donc Marine, si elle est pas là, je sais où elle est. Ouais, c'est ça. Souvent, Marine va toute seule regarder la mer. Pourquoi? Je ne sais pas, moi. Je ne suis qu'un gosse. Faut avoir un peu plus d'estime de soi, nom de Dieu. Un peu triste, tout ça. Donc on va descendre. Aller sur la plage. J'ai tellement plus de poudre, j'ai tellement plus de bombes. Toc. Ah oui, c'est vrai que je tape trois fois, je tape super fort. Toujours pratique. Toc. Non, elle est pas là, elle est encore là. Ah, mais il y a des trucs ici, j'en profiterai. Oh, voyou, tu savais où me trouver. Veux-tu qu'on parle un peu? Oui. D'où vient cette noix de coco? Tarquin me dit qu'il n'y a rien par-delà la mer. Moi, je suis persuadé du contraire. Tu sais, voyou, quand je t'ai vu, mon cœur s'est mis à battre. La chamade, je suis sûr que tu es le messager que j'attendais. Si j'étais une mouette, je m'envolerais loin, très loin. Je visiterais les pays et chanterais pour tous. Si j'exprime un vœu auprès de son rêve, l'exaucerait-il? J'arrive plus à parler du tout. Hé, tu m'écoutes, voyou? Es-tu sûr que tu m'écoutes? Oui. J'aimerais tant connaître ton pays, voyou, un jour. Comment? Le morse? D'accord, je t'accompagne. Oui, je porte... Marine. Donc voilà, Marine nous accompagne, ce qui nous permet de faire 2-3 petits trucs. En fait, essentiellement aller voir le morse. Mais d'après ce que j'ai compris, il y a pas mal d'images qui sont disponibles. D'images, de photos qui sont disponibles à partir du moment où on a Marine. Et comme on la garde que pendant un petit moment, et ben voilà. Alors là, ce que vous avez vu ici, c'est pour un truc qu'on devra faire à un moment. Vous le verrez bien. Alors je vais voir ce qu'il y a de l'autre côté. J'ai besoin de... Hop. C'est vrai qu'elle peut sauter pareil. Et juste ça. Allez, d'accord, on arrive ici. Là j'ai pas encore les palmes, mais on se doute bien qu'il y a quelque chose. Là il faudra le dernier item. Hop. Mais. Merde. Voilà. Un coquillage. Non, vous me touchez pas.
On va aller passer par là, je pense que du coup ça sera quand même plus simple. Ça sera quand même plus simple et plus rapide pour rentrer au village des mouettes. Oh. Ah putain, j'ai plus de bombe. J'allais dire le mur de gauche il sent la bombe. Il sent tellement la bombe, mais j'en ai pas. Du coup je l'ai dans l'os. J'ai soulevé ce qu'il y avait là. Je me souviens plus. Il y a peut-être quelque chose enterré dessous. Vas-y, creuse. Creuse encore. Bah non, il y avait rien. Il semblerait qu'il y avait rien. Ou alors j'ai déjà pris. Ce qui est possible aussi. Merde, ça passe pas par ici. Bon. Hop, on va passer par là. On va aller chercher le morse. On va le réveiller. Ah. Voilà. Ah. Non. Oh, qu'est-ce que tu t'es mis sur ma route, salopard? Allez. Hop, direction. Oula, 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 je suis pas du tout allé au bon endroit en fait. N'importe quoi, mais je le fais bien. Voilà, c'est par là. Voilà le morse. C'est ce gros lard de morse. On lui fait peur? Oui. Ce magnifique cri de morse. Ton réveil était plutôt brutal, hein. Tiens donc, il m'appelle. Oh là là, c'est toujours pareil. Je vais au village des animaux. Rejoins-moi si... Après, voyou. Ok. Et donc là, nous avons accès aux dunes de Yarna avec des gros crânes qui font très peur. Ah oui, avantage, je vais tout one-shotter ici. Toc. Alors c'est très bizarre, on dirait qu'ils ont oublié de faire des sprites autour du... Ils ont raté la couche alpha sur le cactus. Je sais pas, c'est peut-être l'émulation qui fait ça. Ça me semble un petit peu bizarre quand même. Alors il y a 2-3 secrets qui traînent, mais c'est surtout ça qui m'intéresse. Minam, ne vois-tu pas que tu me gênes? En gros, faut pas tomber au milieu, parce qu'au milieu, en fait, on tombe dans un trou. Comme je viens de le dire. Voilà. Et bon, c'est pas grand-chose, mais il faut remonter à chaque fois, et à chaque fois, ça reset le boss. Qui dit quoi, toi? Lorsque tu te réveilles, le rêve cesse. Les monstres aussi. Oui. Attends, je crois qu'on peut les mettre qu'un coup par passage, on dirait. Alors c'est peut-être parce que je tape trop fort avec la nouvelle tunique. Bon, il est pas très compliqué comme sous-boss. Le tout, c'est de pas perdre la clé. Ah oui, mais c'est vrai qu'on tombe forcément. J'ai la clé poisson. Donc voilà, nous avons la clé du niveau 4, du donjon numéro 4. Je vous ai montré déjà où est-ce qu'il était. Et ben on va y aller gentiment. Je vais juste checker un petit peu ce qu'il y a par ici. Je crois qu'il y avait quelques secrets qui pouvaient traîner. Déjà il y a Monsieur Hibou qui se ramène. Ouh, cette clé évoque un poisson remontant une cascade. Va à cette cascade, fais disparaître l'eau et saute du sommet. Oui chef, bien chef. Je pense qu'il y a un autre secret, mais c'est sur une zone que je n'ai pas. Je suis pas allé voir. Ici. Ici, je crois qu'il y avait un secret. Ok, qu'il y en a un. Qu'il y en a un. Je vais juste aller checker quand même. Ouais, c'est ça. Par contre, pour y accéder.
Ah oui, si. Aïe. Lâchez-moi la grappe. Merci. Pour y accéder, c'est par là. Je fais de la merde. Je fais de la grosse merde. Voilà. Hop, on passe par là. Hop, on va soulever ça. Voilà, il y avait un coquillage. Donc voilà, ça vous donne les emplacements d'une partie des coquillages si vous voulez vous amuser à aller chercher. Rassurez-vous, c'est pas aussi chiant que trouver tous les Korogu sans Solus. Sans Solus, ça se fait très bien. Le jeu entier, en fait, sans Solus, il se fait quand même vachement bien parce que j'ai quand même réussi à le faire plusieurs fois à 100% sans Solus quand j'étais plus jeune et j'avais pas internet. Donc voilà, c'était vraiment le full 100%. C'était faisable. Bon, même si je dois avouer que quand j'étais vraiment plus jeune et que j'ai essayé de jouer au jeu, je comprenais pas tout. Alors, on va prendre le TP pour monter au niveau de la cascade. Ça, c'est du coup, c'est vachement pratique d'avoir mis les TP assez tôt, enfin, de pouvoir prendre des TP assez tôt dans le jeu. Ça permet d'éviter de se taper tout le trajet à pied parce que c'est quand même un poil long. Voilà. Donc en gros, il va falloir passer par le haut. Comme ce qu'on avait fait auparavant. Du coup, on va pouvoir filer l'ananas au papa des quadruplés, là. Qui s'est perdu dans les montagnes comme un débile. Hop. C'était par là. Ça, c'est l'accès, en fait, aux montagnes d'une manière générale. Quoique non, on peut pas accéder à la partie la plus à gauche des montagnes avec ça. Mais c'est déjà pas mal. Oh, un truc de puissance mais qui va me servir à que dalle étant donné que... On est presque... On est à la fin du passage. Il me faut les bottes. Hop. Voilà, on va aller lui donner. Voilà. Tiens. Je te l'avais prédit, je me suis perdu. J'ai trop faim pour faire un pas de plus. Menu rare à tout ? Oui. Cet ananas a l'air délicieux. En remerciement, je mange l'ananas. Super remerciement. Au fait, voici un petit cadeau. Je te donne cet hibiscus. Donc vous avez deviné, si vous avez regardé la fin de l'épisode précédent, que l'hibiscus va me servir pour la nana qui écrit des lettres. C'est quoi, c'est une chèvre, je sais plus. Qui écrit des lettres au niveau du village des animaux. Et donc voilà, là où on pouvait pas passer auparavant. Bon, là on va toujours pas passer. Là où on pouvait pas passer auparavant, et ben maintenant on peut et sauter et direction le niveau 4. Niveau 4, abîme du poisson. Voilà, il va falloir retourner les trucs à pointe. Oh, c'est tellement agréable de tout one shot. On n'a plus à bourriner comme un taré. Alors le niveau du poisson, il peut être compliqué si on se perd dans les petits passages en 2D, parce qu'il y en a pas mal. Et je dois dire que la première fois que je l'ai fait le jeu, j'ai un peu galéré sur ce donjon là à cause justement des petits passages où j'arrivais pas du tout à me repérer de là où ils allaient. Maintenant normalement ça va, si on le fait d'une traite, en fait généralement les donjons ils sont plutôt tranquilles. Pose pas de soucis majeurs. Donc vous aurez deviné, hein, vu la gueule du donjon, ce qu'on récupère c'est bien évidemment les palmes. Qui vont nous être fort utiles parce que quand même il y a quand même pas mal de flotte sur ce jeu. Pas mal de zones de flotte qui sont inaccessibles. Alors là, il faut encore une petite clé. Et du coup, je peux pas passer par ici. Ok, ça passe pas là. Je me souviens plus s'il y avait peut-être quelque chose, un petit bouton, un truc à pousser.
Oh, des bombes. Alors. Ok. Le bec de pierre. Bon, c'est au moins on sera plutôt tranquille avec ça. On a trouvé la boussole, le bec de pierre, d'accord. Et la carte. Bon, bah voilà, on a tout. Il reste que la grande clé. Et c'est un donjon qui est un peu labyrinthique. Alors là, on va avoir besoin de ça pour passer. Donc là, heureusement qu'on a récupéré des bombes. Parce que je suppose que la clé, elle est dans le coffre. Allez, explose. Ok, la clé. On a une petite clé, on sait où est-ce qu'on peut la placer, mais je vais aller voir ce qu'il y a quand même jusqu'au bout de cette zone. Ok, encore une clé. On aura deux clés. Aïe. Donc là, on a deux clés. Heureusement que j'ai le bonus de défense, sinon je me serais fait péter la gueule. Alors là, on peut sauter en diagonale, c'est faisable aussi. C'est compliqué, mais c'est carrément faisable. On va pas se faire chier, on a des clés. On va faire le tour. On va faire le tour gentiment et on va faire la partie legit quand même. Ok. Là ça va. Hop. Oh. Je suis le pire des nuls. Alors. Au vert, là il faudra les palmes. Parce que je peux pas y accéder, c'est un peu trop loin. Même en sautant, c'est trop loin. Ouh. C'est tendu. Non, je vais prendre autre chose. Voilà. Donc là maintenant qu'on avait ça, on est plutôt bien. Oh, fragment de puissance. Je sais pas si ça augmente encore la puissance, mais en tout cas ça peut être utile. Hop, là il y a la clé qui est tombée, mais à l'étage du dessous. Ah oui, du coup je crois que je sais où elle est tombée. Là ça me paraît un peu tendu d'y accéder. Ça, on commence à arriver à des zones où il va falloir pas mal de... pas mal les palmes, du coup je vais essayer de les récupérer le plus vite possible. Donc normalement la petite clé est tombée par là. Oui. Ah merde, j'ai pas les palmes. J'ai pas les palmes, donc en fait je peux pas passer ici. Ce n'était donc point ça. Alors, où est-ce que ça pouvait bien être? Ah putain, c'est de l'eau profonde ça. Qu'est-ce que tu me dis, toi? La lueur des tuiles sera ton guide. La lueur des tuiles sera mon guide. Alors, à part que je sais pas me déplacer. Pour l'instant, ça avance bien. Aïe, mais t'étais levé! Fumiste. Ah, oh, toi tu m'énerves. Ah, c'est ça en fait. C'est un peu compliqué à faire ça sans le sans les palmes. Ok, petite clé. Aïe. Je peux pas passer en fait par ici. Ça c'est la chambre du boss, ok. Alors où est-ce que je peux passer?
J'ai une petite clé, on est d'accord? Ah bah oui, je sais où je peux passer. On va attendre qu'il se lève en entier cette fois. Voilà, merci. Je sais carrément où je peux passer. Hop. Ici. Ok, boss. Enfin, mid-boss en tout cas. Après, c'est pas très compliqué. Ah, il m'a bait. Donc là, c'est simple, il suffit de prendre les bottes de Pégase. Et de faire les tours. C'est un peu retard comme combat d'ailleurs. Voilà. Pas très compliqué, hein. Ça fait un checkpoint, ça fait de la vie. Ah oui, ça c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Sauf que j'aurais pu passer d'une traite. J'avais complètement oublié que je pouvais passer d'une traite. En gros, plus on tire, plus ça s'écarte longtemps. Et en fait, quand on sort d'une salle, on doit pouvoir passer dans l'autre, mais d'une traite. Et les fameuses palmes. Appuie sur B quand tu nages, tu pourras alors plonger. Alors, ça, c'était la partie qui concerne les dalles luminescentes bidules. Alors, déjà en bas. Petit la gueule de ces machins. Donc c'est bas gauche, bas droite. Haut gauche, haut droite, centre. D'accord. Passer par là, hop. Alors, bas gauche. Bas droite. Au gauche. Nice. La question c'est où est-ce que tu mènes toi? Alors vous vous doutez bien que lui il va pas être content si je passe. Oh mais merde. Là il faut le bait. Hop. Nice. Ok, grande clé. Plutôt pratique. Parce que je me souvenais plus du tout où elle était. Alors, il y a une dernière petite clé à aller récupérer. Oh, un fragment de puissance. Si lui, je pouvais le garder jusqu'au boss, vu que maintenant j'ai la grande clé. Ok, la petite clé, je vais en avoir besoin chez où elle est. Hop. 50 rubis, c'est toujours ça de prix. Aïe. Alors. La petite clé qui doit être ici. Ok. La petite clé qui nous manquait. Ah merde, j'ai joué comme de la merde. Comme un gros nul. En plus ça va, plus je perds de la vie. Ça va qu'il y a un truc de vie qui traîne. Non, mais le mec il se met vraiment pile sur ma trajectoire. Ok. Il n'y a pas de jauge d'oxygène d'ailleurs aussi. C'est plutôt pratique. Ça évite les problèmes. Voilà, on est déjà devant le boss. Et au final, je me suis rendu compte que quand on le fait de manière assez linéaire, il n'y a pas de souci. Ça passe bien. Moi, ce qui m'avait perdu, c'est que j'arrivais pas à trouver la grande clé du boss en fait. J'arrivais pas à trouver où était le passage. Oh, j'ai déjà mis un coup. Énorme. Ah, ils ont rajouté des poissons. Avant, il n'y avait pas les poissons. Mais what the fuck?
Cette blague. Cette blague ultime. Oh la vache. Tellement triste. Tu as la harpe du reflux. Le beau bruit d'harpe. Baie, ta route passe par la baie. Et oui, évidemment, maintenant qu'on a les palmes, on doit pouvoir faire pas mal de choses. On va commencer juste déjà par aller ici. Voilà. Je suis Mambo, descendant du poisson lune. As-tu l'ocarina? Oui. Alors, je vais t'apprendre ma chanson. Tellement magnifique comme chanson. Le Mambo de Mambo. Voilà, et donc cette chanson, en fait, elle permet de se téléporter à un endroit précis sur la carte. Donc je crois qu'il n'y a rien. Elle permet de se téléporter à un endroit précis sur la carte qui est la cabane de Monique la Lunatique, ce qui est plutôt pratique, en fait. Donc on peut pas remonter les cascades comme si on avait des trucs de Zora. Mais on peut commencer par se balader dans de la flotte, ce qui est plutôt cool. Ici, il y a un truc sympa. Hop. Mais il faut tomber dessus quand même. Hein. Petit quart de cœur. Voilà. À droite, normalement, si je me souviens bien, on peut pas passer. Oui, on peut pas passer. Parce que là, il faut le grappin qu'on va obtenir dans un épisode. Et à droite, c'est un des mini-jeux que j'ai préféré et qui m'a pris mais un temps fou, un temps monstrueux. Parce que j'adorais y jouer. Voilà. On va passer par ici. Je voudrais faire quoi déjà? Merde. Ah putain de merde, oui. Voilà, donc là c'est ce dont je vous parlais au tout début de l'épisode quand j'étais allé dans une cabane abandonnée en bas à gauche près de la plage. C'est un putain de fantôme qui veut retourner voir sa cabane. Et je crois qu'on est obligé de le faire sinon il va nous follow tout le temps. En plus il fait du bruit. Du coup, c'est chiant. Du coup, on va lui ramener à sa cabane. On va rapidement le faire. Comme ça, j'arrive pas à le faire dans l'épisode prochain. Et gros avantage, nous pouvons enfin nous déplacer par ici. J'étais en train de nager et une vague a emporté mon collier. Si tu le retrouves... Ah, j'aurais dû donner des biscuits. Je te donnerais une écaille de queue. J'ai déjà cherché par là. Ah! Quand on plonge, elle a pas envie. Ah, il y a quelque chose sous le pont, si je me souviens bien. Mais bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Je sais plus. Est-ce que je peux remonter par là? Ou est-ce que je suis obligé de faire tout le tour comme un con? Je crois que je suis obligé de faire tout le tour. Pas très simple. Ah non, quand même. C'est quand même plus pratique de passer par là. Alors, le machin qui lance des boules de feu, là, c'est des auras. Voilà. Vous coucherez moins bête et la gueule des auras est complètement différente de celle des autres jeux. Alors le coquillage. Oui, amène-moi dans mon ancienne maison. Vers la baie. YOLO C. Alors la question c'est est-ce que je peux sauter ça avec si peu d'élan? Ouais. Oui, entre, c'est bien ma maison. Que de souvenirs, rien n'a changé, bouh. Assez, je veux aller à ma tombe. Oui, ta tombe, elle est dans le cimetière, en tout cas proche du cimetière. On va utiliser l'ocarina pour se déplacer plus rapidement sur la carte, puisque la maison de Monique la Lunatique est quand même vachement proche du cimetière, on va s'en servir. Voilà, donc ça nous ramène ici, ce qui est plutôt pratique.
vrai que je vais avoir besoin de ça. Voilà, on est ici. Et en fait... le passage vers sa tombe, il est par là. Non, il est pas du tout par là, en fait. Je sais plus comment on fait. Pour descendre. Comment on fait pour descendre vers... je vais vous montrer où est-ce qu'elle est, sa tombe. Je me souviens plus comment je fais... ah bah... se lever ce caillou. Sa tombe est juste à gauche. Là, vous vous doutez bien, il y a un truc. Alors, les zombies reviennent à l'infini, donc vaut mieux éviter de trop s'y frotter. C'est un peu retard. Merci, dans ma maison, regarde sous les jarres. Sayonara. Ouh, cela fait longtemps qu'on ne s'est rencontrés. Plonge dans la baie de Martha et entre dans la gueule du poisson-chat. Plus tu es près du poisson-rêve, plus son sommeil est agité. Tu es dans la bonne voie. Ouh. Voilà. Donc, il va falloir qu'on aille au niveau 5. Je sais plus ce qu'il y a du tout sous les jarres de sa maison. On ira checker. Ou on va checker maintenant, je pense. On va aller checker un temps. Je veux juste aussi regarder ce qu'il y avait par ici. Un quart de cœur, mais il me faut le grappin. Voilà, d'accord. C'était le passage pour aller jusqu'ici. Donc là, faudrait que j'aille chercher le TP le plus proche. Ok. On va redescendre au niveau de la... est-ce qu'on peut passer au niveau de la baie? Ouais, si. On va redescendre au niveau de la baie. Déjà, ça va me permettre de donner l'hibiscus. En passant vers le village des animaux. Et ensuite, on va aller directement à sa maison. Le problème, c'est que sa maison, elle est vraiment à équidistance de plein de trucs. Du coup, c'est pas très pratique en termes d'optimisation. Mais bon, là on va en profiter pour donner le l'ocarina. L'ocarina, l'hibiscus à madame. Je sais plus quoi. Oh, tu m'as apporté un hibiscus, comme c'est gentil. J'ai une faveur à te demander. Je peux? Oui. J'aimerais te confier une lettre pour monsieur White qui habite dans la forêt. Merci d'avance. Voilà, la fameuse lettre de monsieur White. Et là on arrive quand même au bout de l'histoire du troc, si je me souviens bien. On commence à arriver au bout. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Hop. Voilà, le niveau 5 est ici, donc c'est poisson-chat. Il suffit de descendre, il suffit d'avoir les palmes en fait pour y accéder. Pas besoin d'une clé ou quoi que ce soit. Ce qui est plutôt pratique. Tac. C'est par ici. Voilà. Stou les jarres, il a dit. Ah, c'est tout? Non. Si? Ça fait des trous. C'est tout ce qu'il y avait. Bon, d'accord, bah, un coquillage en plus. Un peu triste. Je me souvenais plus du tout de ce qu'il y avait, mais voilà, c'est une jarre. Ce que je vous propose... ça fait quand même 35 minutes que j'enregistre. Ce que je vous propose, ouais, c'est qu'on se dirige vers le poisson-chat, comme ça. Au moins, je sauvegarderai à l'intérieur et on entamera directement par le donjon. Parce que le niveau 6 est carrément bien loin à accéder. Du coup, vu que le poisson-chat est assez rapide... on va le faire. Non. Voilà, tout simplement, il suffisait de passer par là. Boing, boing, boing. Me voilà dans la gueule du poisson-chat. Et donc, je vais vous laisser là, en espérant que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires de la vidéo. À vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis quant à moi, je retrouve dans 4 jours pour le 6ème épisode de mon aventure sur The Legend of Zelda Link's Awakening. Allez, salut à tous, portez-vous bien.